Et les gars, juste avant de commencer la vidéo, je voulais juste vous faire un petit message pour vous remercier tout d'abord de m'avoir apporté votre soutien, de d'avoir liké et d'avoir vu la vidéo suite aux attentats et aux événements de vendredi 13 novembre. Donc voilà, je vous invite, n'hésitez pas à aller la voir. Voilà, vous cliquez juste ici au-dessus de mon doigt, il y aura une petite miniature tranquillement, la magie du montage. Et avant, voilà, donc on reprend les cours des vidéos, on reprend, voilà, il faut bien rire. Bref, on va revenir sur ça. J'espère que vous allez tous bien, j'espère que vous avez tous la patate et voilà, on va se retrouver pour un random team. Juste avant de commencer, je voulais vous faire un message, je voulais vous demander, je vous ai posé une question sur Twitter. Déjà, je vous invite à me suivre sur Twitter pour ceux qui ne me le suivent pas. J'ai posé une question, est-ce que ça vous tente une carrière joueur sur FIFA 16 donc voilà, les réponses ont été positives. Et j'avais envie de savoir quel poste vous voulez que je fasse cette carrière joueur. Dites pas un poste de merde. Enfin, dites-en hein, si la majorité, voilà, donc si la majorité obtient un poste de merde, je prendrai un poste de merde. Et dites-moi si je commence dans un gros club ou si je commence à Lyon, voilà, dites-moi, carrière joueur, quel poste et dans quel club, gros club ou petit club, ou dans un club si vous voulez que je joue dans un club, que je commence dans un club. Voilà les gars, c'était juste pour ce petit message, voilà, on se retrouve pour la vidéo. Bonne vidéo les gars, à toutes! Yo les bellos, les gars, c'est Grisifut et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur FIFA 16 comme d'habitude, je le dis pas mais voilà, vous le savez, vous en doutez très très simplement. On se retrouve pour le concept que j'avais commencé sur FIFA 15 que vous avez apprécié les derniers épisodes surtout, donc je le représente pour ceux qui ne le connaissaient pas. Du coup c'est FIFA Random Team. Donc le but, en fait, c'est d'aller sur un site où, qui nous génère une équipe aléatoirement, parce qu'on peut plus le faire sur les FIFA maintenant, qui nous génère une équipe aléatoirement, et du coup, je suis tombé sur Bastia, donc ça me fait plaisir. C'est une équipe française, une équipe de Ligue 1, une équipe corse, que j'apprécie, parce que voilà, ils tiennent bien, ils tiennent un peu la baraque depuis quelques années. J'espère qu'ils vont rester en Ligue 1. Bref, voilà, j'essaie de composer le meilleur effectif possible, hein. Après, je sais pas, peut-être qu'il y a des Corses ici qui nous regardent, peut-être qu'il y a des joueurs qui vont pas ou des trucs comme ça, mais bon, j'ai essayé de composer avec les meilleurs joueurs possibles. Après, voilà, c'est pas une grosse équipe, mais voilà, c'est le principe, c'est le challenge de ce mode de jeu, voilà, c'est de tomber avec des équipes comme ça. Après, voilà, on compose avec ce qu'on a. En tout cas, ça me fait plaisir. N'hésitez pas à bombarder la barre de like en bas, les gars. Le petit pouce bleu comme ça pour m'encourager et pour me dire, enfin pour que je sache si ce concept vous plaît et pour que je réitère le concept. C'est pour ça, les likes ça sert surtout à ça et aussi les commentaires les gars. Il y a des vidéos où j'ai vraiment beaucoup de commentaires et ça fait super plaisir, type la carrière. Donc j'aimerais que y a autant de commentaires sur chaque vidéo, ça ferait vraiment plaisir. Vous donniez votre avis, vous partagez je sais pas, quelque chose, n'importe quoi. Ça me ferait vraiment plaisir, les commentaires, je peux interagir avec vous. Et voilà, je suis pas timide, hein, je vais pas vous manger, donc n'hésitez pas à lâcher les commentaires, ceux qui commentent jamais, les petits timides. Ça me ferait super plaisir. Diallo, il lâche des bonnes frappes. C'est à 1 minute à commencer. On tombe contre Lech Poznań, what the fuck. Une équipe en Pologne, donc je connais pas du tout. Comme le stade de Bastia, comme Furiani, je crois que c'est ça, n'est pas représenté dans FIFA, donc on va jouer sur un stade municipal de type basique. En tout cas, j'espère faire un gros match avec Bastia. Ça me ferait super plaisir. Donc on se retrouve pour les meilleures actions, les vélos, peut-être là ça commence bien déjà. Attention. Ok d'accord. Le mec est parti sur une glissade et commence à partir sur une glissade du cul, donc c'est du moment qu'on part sur ça, ça part très très mal. Alors surtout pour les meilleures actions, à partir de maintenant, je parle très très vite, c'est parti. Je sais pas ce qu'il fait notre adversaire là, il est très mauvais. Moi aussi d'ailleurs, mais bon. Voilà, mauvais plus mauvais, ça fait de la merde, mais voilà, ça marque. 1-0 les pélos, ça fait plaisir. Après, j'aimerais bien tomber contre un adversaire. J'aurais bien aimé tomber contre un adversaire, enfin, un peu plus à la hauteur que ça, parce que là, il est claqué, le mec. 12 premières minutes, il est assez claqué, il fait que de la merde. Donc, voilà. En même temps, il a un club, le nom imprononçable. Donc, Lech Poznań, je sais pas si vous connaissez, peut-être qu'il y a des Polonais. Enfin, je pense pas qu'il y ait des Polonais dans mes abonnés, mais bon, voilà, peut-être pas. Peut-être que je serais surpris. Surprenez-moi, les gars. Oh, les percées d'Engando. Engando, on va tenter. Oh, Engando! Allez, c'est pas fait. Ok. Allez, ça dégage. Voilà, le deuxième but, tout simplement. Passe, boum! Passe, boum! Voilà! Tranquillement. Je sais pas qui c'est qui a fait la passe décisive, mais c'est nickel, hein, ça décale. Après, voilà, l'adversaire, comme je vous l'ai dit, n'a pas changé de niveau. Toujours au même, il snagne. Il stagne, pas il snagne. Il snagne. Oh l'enroulé, dommage! Ça déboîte un petit peu trop. Ça déboîte. Putain, il fait toujours la même. On va le punir.
Ok, on n'a rien puni du tout. Est-ce qu'il y a penalty? Ok, on va oublier ça. On va oublier la dernière action, mi-temps. On va juste voir les stats pour voir ce que ça donne. Ouais, il a zéro tir, tout simplement. Grosse domination. Regardez les points en bas. Les points en bas à droite, là. C'est... Enfin, voilà, c'est une fourmilière, le truc. Ça veut rien dire, mais... Ouais. J'avais envie de placer fourmilière. C'était mon mot à placer dans la vidéo, donc voilà, je l'ai placé. Enfin, 11 tirs à 7. Bon, bah, la deuxième mi-temps s'annonce, je pense, que pareil que la première. Enchaîne. Oh l'eau, putain. Là, tu me déçois pas. Penalty, ouais, merci. J'allais dire, là, tu me déçois pas. Merci, monsieur l'arbitre, pour une fois. Allez, on va faire tirer à Yité parce qu'il nous a fait un truc tout à l'heure, c'était magnifique. À gauche, voilà. Tranquillement, on transforme ça. Oh! Oh, j'enchaîne ça! Oh, j'enchaîne ça! Oh là là là, 4-0! 4-0, les gars! Qui aurait cru que j'aurais mis 4-0 avec Bastia? Oh, c'est beau! Oh, merci les Corses! C'est qui a mis ça? Putain, la frappe! Bon, après, le gardien, il est ballot, il a cru qu'il était au basket. Le mec, il a cru qu'il était LeBron James. Il s'est improvisé basketteur en moins de 2 secondes, le gardien. C'est des barres. Bref, 4-0 avec Bastia à la 69e minute. C'est beau! Oula! Oh la puissance du type! Oh la connerie du type! Oh là, faut dire qu'il est beau! Je me mange. Il y a toujours une connerie à la fin ou un truc que je fais de la merde! À la fin où je me prends un but, à chaque fois je fais un beau score, mais bon, je me fais une équipe. Putain, belle reprise de volée, belle retour d'acrobatique, je veux dire. Il m'a crucifié dans la même cage. J'ai même envie de lui donner la victoire, carrément. Juste sur son premier tir cadré du match. Enfin, deuxième, vu qu'il en a enchaîné deux dans une action. Fin du match, les gars, j'ai gagné avec Bastia, donc voilà, je fais une petite dédicace à tous les Corses qui regardent cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, ça me ferait vraiment plaisir, les pélos, et à commenter pour me donner votre avis sur ce concept, et aussi pour, voilà, pour me dire si vous avez besoin, si vous voulez d'autres équipes, ou je sais pas, vous avez besoin de n'importe quoi, dites-le moi. Je suis là, je suis pas votre médecin, mais voilà, je suis là, je suis open bar, je suis ouvert. Et n'hésitez pas, oui, à répondre pour savoir la carrière joueur, sur quoi je la fais. Je vais faire une carrière joueur, donc j'ai fait un sondage sur Twitter et j'ai eu des activités positives. Donc n'hésitez pas à me dire sur quel club je le fais et quel poste je vais jouer. Donc n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. En tout cas, voilà, c'est fini. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Je vous fais de gros bisous, portez-vous bien, on se retrouve pour d'autres vidéos. Salut tout le monde les gars, c'était Grizzly Foot. Happiness is you.